Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Instagram, le YouTube. OK, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop. Bienvenue dans votre Late Night Break, le 779. 4 boîtes au menu, série 1, série 2 et 2 SP Game Use. Yes, je vous présente les médias sociaux avant qu'on s'en aille en live. Les voici, Facebook, Instagram, YouTube. Venez nous suivre sur chacune des plateformes. Je rajoute à ça Twitter. Ajoutez ou recherchez Alan Buffer sur Twitter. Hey, vous allez me trouver. Je ne suis pas encore super actif, mais tranquillement, on apprend comment ça marche. Et pour le YouTube, voici comment faire. On subscribe, on s'abonne à la chaîne Break the Workshop. On a pas mal de nouveautés, des nouveaux thumbnails, ben des affaires, le fun. Allez voir ça, le YouTube. Invitez vos amis. Let's go! OK. On s'en va live. C'est l'heure. Les voici nos boîtes pour ce soir. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Stefano. Salut Guy. T'aimes pas? C'est pas que j'ai prévu sortir un gros hit du Lightning. C'est pour ça, Guy. Tu vas voir. On va essayer, en tout cas. Salut Simon. On a un trade. Salut René. Un trade des Blues contre les Flyers. Donc, balak avec les Flyers et les Blues de Simon Mang. Salut Pascal. Donc, ça me prend juste un OK de balak et on va aller faire le changement tout de suite. Donc. On va aller faire ça immédiatement. Les Blues sont ici. Donc, comme ça. Et ensuite, les Flyers sont ici. Comme ça. OK, on procède au changement. Parfait. On attend toujours le OK de balak sur le live, s'il vous plaît. À moins que tu me dises, Simon, que ça a été fait sur le post, je vais aller voir. Je vais changer maintenant le nom ici.
comme ça. Comme ça, c'est changé aux deux places. Voilà. Salut, Normand. Salut, Michael. Oh oui! Barkov, let's go. Let's go. On aimerait ça. Je vais aller vérifier sur le post pendant que on attend la... Pas game de sortir du Capriza. On est certain. Oui, on est capable de sortir, Samuel. Come on! Allons voir sur le post maintenant. On va faire un petit refresh. On va aller voir est-ce que le trade a bel et bien été accepté par les deux messieurs. Donc, Simon, Flyers, good. On a un trade. Parfait. C'est beau. C'est complété. Je vois bel et bien le tout sur le post. Merci, messieurs. On va juste s'en assurer. OK. C'est l'heure. On procède tout de suite. On start ça avec le Blaster. On est dû pour une Lafrenière dans ces Moses de Blaster-là. Qui a les Rangers? Normand Michon. OK, c'est parti. Blaster number one. Bomberick 779, tout le monde. Bienvenue dans votre late night break. Et on passe ça, je crois, avec un base pack. Yes, all base. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas sorti normalement en plus. Ah oui, il est capable. Oui, Louis-Philippe a vu ça aller, lui. Base pack dans le deuxième aussi. Allons voir le prochain pack. On a une première Young Guns. On y va avec Pavel Francouz. L'Avalanche, Simon Mong. Et une Dazzler's Green pour l'Avalanche aussi, Monsieur Makar. Un doublé de Colorado. Next one, c'est un base pack. Salut Luc! Long time no see. Content de te voir. Next one, c'est un portrait de Jack Hughes pour les Devils. Oh oui, Sylvie, t'as raison. Ça fait longtemps, c'est pas arrivé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une jeune loup. Peut-être ce soir, peut-être. Base pack ici aussi. Et dernier pack, est-ce qu'on va avoir une petite surprise? Voyons voir. Est-ce qu'on a une autre Young Guns? On a une autre Young Guns. Cette fois-ci, Jason Robertson. Les Stars qui frappent la dernière Young Guns. Mathieu Yockel. Oui, monsieur. Let's go, Dallas. Ok, oui, les Stars, les René, les requins ont faim, les René, excusez. C'est René qui dit les requins, voilà. On va essayer de faire ça, René, let's go. Non, c'est vrai, en effet, par exemple, c'est vrai, on a le retail. J'en fais pas souvent des retails. Je suis pas habitué. T'as raison, Simon Lavid. T'as raison. Ça sera pas pour ce soir, Sylvie. Les René, ils ont faim. Ça a mal sorti, mettons. On y va avec le retail. C'est parti. On n'a pas d'exclusive ou d'high gloss, mais on a droit à nos Young Guns. Hey, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir Kaprizov? Est-ce qu'on va avoir Stadzol? Voyons voir. Première Young Guns tout de suite. Hey, c'est les Canes, Stephen Lawrence. Oui, c'est écrit, mais il me semble qu'il n'y en a pas, comme Simon David mentionne. Même chose avec les tins, c'est marqué « Je ne loue pareil » dessus, mais il n'y en a pas. On a une Yuri Canvas. Pour les Sharks, Thomas Hurdle. Number 48. Next pack. Marky Rookies, Ryan McLeod, the Oilers. Ça existe-tu pour vrai, Guy? J'ai jamais entendu parler de ça, tabarouette.
Next pack, qu'est-ce qu'on a ici? Kelly Base, 7 et 8 base. Young Guns incoming. Philippe Desrosiers, les Panthers. Michael Langlois. Ah, pour vrai, Normand, tabarouette. Ben, Colin, ça doit être parce que je n'ai pas vu encore. Alors, Max, j'en ai pas ouvert de ben des tins jusqu'à maintenant, mais. Portrait de Kourouchev pour les Blackhawks. Unit Dazzlers de Mr. Lafrenière. Let's go! Normand Michon. In a green at Dazzlers. Laffy, let's do this right now! Wow! Simon David, c'était toute qu'une boîte, ça! Wow! 9 Young Guns, une Young Guns exclusive, 2 jeunes loups, 2 Young Guns canvas. Wow! Hey, ça, c'est solide en tabarouette. T'es content d'avoir acheté une boîte de même. Next one, les Stars, Ty Dellandrea, Seton et Marky Rookies. On va garder l'œil ouvert dans ce cas-là, d'un coup, comme on aurait une. Je pense que c'est la deuxième retail seulement que j'ouvre. On en a quasiment. Et on a une Young Guns Canvas ici. Oui, oui. Mackenzie Entwistle. Les Blackhawks, Alexandre Giroux, right now. Ah, c'est pas la tienne? Ah, les tabarouettes, j'aurais aimé ça. C'est plus Hotbox, c'est une demande. Guy, t'as un bon point, là. T'as un bon point. Hey, tabarouette, c'est quelque chose. Next one, Young Guns incoming. Hey, c'est Ty Smith, les Devils. Oh, ça sort pas pire à date pour un petit mixeur de fin de soirée. Monsieur Ty Smith pour New Jersey, Cédric Ladry. Voilà, on se met ça sur un stand ici pour les Devils. Hey, c'est fou de ça pour eux. C'est un peu comme notre boîte d'esprit authentique qu'on avait sorti. 6 autographes. En plus, il y avait une Black dedans. Et on avait une Young Guns acetate dans la même boîte. C'est assez fourraide. Une rétro ici pour les Stars de Dellandrea. On enchaîne ça avec une autre Marky Rookies. Belzile pour Montréal. Dernier pack de notre première pile. Et il va nous rester deux SP Game Use ensuite pour closer ça. Portrait. Flyers, Ustimenko. Attendez un peu, j'ai oublié de refaire un petit rafraîchissement ici. Voilà. J'ai pas sauvegardé. Voilà. On a eu des trades tantôt. On va le faire, Moses. Voilà. Donc là, les noms ont été changés. Pardon, messieurs. J'avais oublié de rafraîchir mon écran. Columbus, trop tranquille. OK, on va se mettre là-dessus. Let's go. Young Guns incoming. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça arrive souvent, ça. Vous me le demandez. Puis, paf. Let's go. Columbus. Calvin Turcoff. Young Guns et une Green Dazzlers. Pour les Stars. Ty Dellandrea. Hey, Colibin. C'est malade, hein? Timing incroyable. Incroyable. Next one, qu'est-ce qu'on a ici? Une UD Canvas, Mikko Rantanen, l'avalanche. D'habitude, ça en suit un peu tout le monde qui demande plein de choses. Oh, ça, c'est malade. OK. OK, OK, je vais essayer de vous écouter tout le monde. Ça nous prend les Kings,
Ça nous prend les Capitals. Ça nous prend de Tampa Bay. OK. C'est malade. Next one. Oh non! Lightning! Here we go! Gagnant du prix! C'est parti. On a eu du Tampa. Maintenant, il nous reste des Capitals. Il nous reste des Kings. OK. On va aller voir. Pour le prochain pack, qu'est-ce qu'on a ici? On semble avoir un base pack. Yes, all base. Ça nous prend du Boston aussi pour Stefano. OK. Hey, c'est quand même shot. Là. J'ai hâte de voir le prochain hit. Oh, on a Young Guns. Et on y va avec Montréal. Lucas Vigdemo. Winnipeg, s'il vous plaît. Canucks, tranquille. Tout le monde va s'y mettre. Ah, j'y arriverai pas, gang. Oh, c'est malade. Hey, Montréal, je viens de t'en donner une, Sylvie, là. C'est parti. Oh, wow, ça, c'est très bon. OK, next. J'espère que les prochains hits sont là-dedans. Un hit, s'il vous plaît, pas une insert à 25 cents. Portrait Lawrence pour les Canes. Oh, Brendan veut des pingouins, lui. OK. Tabarouette, la liste est longue. Il me semble qu'il me reste pas beaucoup de paquets pour tout sortir ça. Blue Border maintenant. Qui on a? Vegas Reduke. Ça nous prend des Coyotes aussi pour Serge. Tabarouette. Hey, là, c'est pour vrai. C'est très certainement la liste la plus longue que j'ai jamais eue. Oh, wow. On a deux hits ici. Yuri Canvas pour Nashville Pecorine. Et une Green Dazzlers pour les Leafs. Nick Robertson. Ah, ça sera pas facile. Non, René. Oh, ça sera pas facile. Il nous reste deux boîtes en arrière avec quatre packs ici. Je suis mieux de gauler ça. On a Young Guns incoming. Allons voir. Qui on a? Brian Penneau. Washington, je l'avais dans mes demandes. En voici un, Monsieur Penneau Young Guns. Les As de Québec, Denis. Là, je vais gérer tes attentes. Ça arrivera pas. Remets Columbus dans la liste. Mais ben là, il y en a qui vont être fâchés si je te remets en avant, Simon David. OK. Rétro. Canadien Alex Belzile. Deux packs à faire pour cette retail. Quand même pas si mal jusqu'à maintenant. On aurait pu faire mieux. Voyons voir. Next one. Ah oui, monsieur, c'est Gilles Sen. Pour Cédric et les Devils, Marky Rookies. On l'aime, lui, peu importe la façon, on l'aime. Dernier pack. On close cette boîte avec un portrait. Pour les Leafs, Igor Korshkov. Donc, Toronto qui close cette boîte. Oh, Luc, les Trashers. Ça va être difficile. Ça va être difficile, ça aussi. Oh boy. C'est parti maintenant. On a deux box de SPGU. Box vide. Decoys. Et on part ça. Première de deux. Je vous rappelle qu'on est dans une caisse neuve depuis les derniers jours avec l'SP Game Use. On a une carte plus épaisse ici, allons voir. Non, pas de Pepsi ce soir, Stefano, tranquille. Les Islanders aussi pour Pascal. On a Soderstrom ici pour les Coyotes. On nous l'avait demandé tantôt, en voici une donc. Victor Soderstrom sur 299, la 144. Les Whalers. Moses que j'aimais leur gilet eux autres, pour vrai là. Je me rachèterai un gilet des Whalers demain matin. Le vert, incroyable. Next one, allons voir. On enchaîne ça ensuite avec... Ouh, les pingouins, P.O. Joseph. Oh, je me suis fait demander du Pittsburgh aussi tantôt. En voici une sur 299, la 130. Mike Liut, oui! Oui! Ah, il était hot, lui!
En dessous, les Sharks, Brent Burns, Jersey pour San Jose. À date, on sort des cartes des gens qui nous ont demandé leur équipe. Ouh. Oui, Denis, c'est vrai de ça. On poursuit en dessous. Quel break plaisant ce soir. On a les Leafs à nouveau avec Gorshkov. Avec un bout de jersey, une coche dedans, puis une couture. Tout le kit pour Toronto. Voilà. Il nous reste deux cartes ici. Les Sénateurs, Tim Stutzel. Material Distinction, third overall pick en 2021. Les Sénateurs sur celle-ci. Phil Holy, here we go. Et la dernière, il s'agit, des fois vous le savez, il n'y a pas d'autographe dans une boîte. Comme là, c'est le cas. C'est une patch, elle est sur 35. Ils sont très très nice. Et on y va avec 1, 2, 3, les Kings. Deux couleurs sur 35, Drew Doughty. NHL Stadium Series, Drew Doughty. Oui, monsieur, L.A. Stefano Duponzo. C'est L.A. maintenant. Oui! Voilà, nice one pour les Kings. Et on y va avec la dernière, mais non la moindre. It is now the time for the last box of the break, the last box of the evening. 2020 and 21 SPGU. Oh, it's time for big hits in this one. Come on. Oui, monsieur, madame, on veut du gros stock dans celle-là. Let's go. On a assez patienté, on veut le gros stock now. C'est parti, on semble avoir un paquet un peu plus épais. Oh oui, je confirme, plus épais qu'à l'habitude. On a plus qu'une grosse carte. Intéressant. On passe avec Vegas. Reed Duke. Donc la première pour les Knights sur 299, la 203. Kane Utaise pour Alexandre. Ah, une Barkov pour Michael, ça serait le fun. Faites vos demandes. Je vais vous envoyer un formulaire à cette heure quand vous allez prendre un spot dans un break. Faites vos demandes tout de suite à l'avance. Un nouveau pack de sleeves et c'est parti. On enchaîne avec le rookie maintenant. Allons voir ça tout de suite. Ouh! Nous avons une draft des marques, mais maintenant, c'est les Kings à nouveau. Mickey Anderson sur 299, la 175. Une autre pour L.A. DDM de Foudy, Simon David. Alors, on prendra une bière. Moi aussi, je prendrai une bière. Tantôt, mec, j'ai fini, on va prendre une bière. On s'en va en dessous. Et on a une banner year pour le Lightning, Victor Hedman. Tampa Bay ici. Donc, Monsieur Edmund Banner Year. Ensuite, on y va en tour de nouveau. Oh, un jersey et une Banner Year sur la même carte pour les Blues. Alex Pietrangelo. Blue jersey et deux sortes de Yellow Banner pour les Blues. Donc, Saint-Louis ici. Et il nous reste deux cartes plus épaisses. On va aller voir ça. Oh yes, Robert, let's go! Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Allons voir. Ouh, intéressant! On y va en dessous tout d'abord avec une premium patch. Elle est numérotée sur 65, Simone. Et bon, il y a trois couleurs. Elles sont très, très belles. Les voici. Paf! Les Kings, Gabe Vilardi, 12 out of 65. Aïe, aïe, aïe. L.A. strikes again. Oui, monsieur. Pouf. C'est
Stefano Duponzo qui a attendu les deux dernières boîtes pour frapper un grand coup. Let's go LA! Oh yes, Bob, encore oui, monsieur. Et oui, Danny, les Kings dans ce produit-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est peut-être nous autres, mais colibine qu'on sort des Kings, c'est quelque chose. La dernière, c'est une draft des Marks. Oui, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas sorti. Ben, il en v'là une. Avant que je vous la montre, les nouvelles qui sont avec nous pour la première fois, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse en privé, s'il vous plaît. Bien important, question qu'on puisse shipper vos cartes. Pour les prochains breaks d'hockey, il y en a déjà un en cours, le 772. Et dans ce break, il y a une boîte 2005-2006, série 2 en fait. Donc c'est là-dedans qu'on peut sortir Ovechkin Young Guns. Donc si vous voulez tenter votre chance dans ce break-là, on a mis aussi une boîte de Premier là-dedans. Donc on va sortir du gros stock, c'est sûr, à quelque part. Donc venez essayer ça. Sinon, les prochains, on vous sort ça demain. Baseball, presque plein. Basketball, reste deux spots, je pense. Football, il reste seulement les mini et c'est full. On fait ça demain. Donc, belle journée en perspective demain samedi. Soyez des nôtres. OK, Draft Day Marks. On close ça avec 1, 2, 3. Tylandria, City Stars avec la lettre E, 15 de 35. C'est Mathieu Yockel qui nous close ce break. Et pas le choix, Brocoli Tom. Donc voilà, c'est les Stars, la lettre E, 15 de 35, Monsieur Dellandria. Il va être long à faire un peu ce nom-là, mais tabarouette, n'en v'là une. Mathieu, congrats. On se fait un petit wrap-up de nos hits. Voici ce qu'on a attrapé ce soir. Ty Smith, Young Guns. Et les autres, vous les avez en face de vous. Entwistle, Young Guns, Canvas pour les Blackhawks. Les Kings ensuite qui ont eu un beau break. Drew Doughty, Patch. Ici, deux couleurs, NHL Stadium Series. Ensuite, la Premium Patch dans l'SPGU sur 65. Trois couleurs, Laffy. C'est présenté sous forme de Dazzler's Green pour les Rangers. Et j'ai pas le choix, mais on va terminer avec les Stars. Jason Robertson, Young Guns tout d'abord. Et ensuite, une Drafted Day Marks. Letter E, 15 out of 35 for the Dallas Stars, Ty Dellandrea. And this is for Mr. Mathieu Yockel. Voilà donc. Ça close ce break 7-7-9. Hey, ça fait plaisir, Normand Tabarouette. On s'en retourne en mode grosse face. 23-50 présentement, on surnomme Alan Buffer. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce dernier break de hockey ce soir. Très apprécié. Là-dessus, je vais vous souhaiter immédiatement une très belle fin de soirée, une belle nuit. Et on se revoit demain pour une journée de break de fou. Ça va être le fun. Soyez pas trop loin. Merci tout le monde. Salut!